12, verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Alléluia. Amen. Moïse était un homme patient. Plus qu'aucun homme sur la terre. Alors mon frère, ma soeur, le message que le Seigneur vient te dire en cette matinée, c'est que sois patient, il a vu ta souffrance. Alléluia. Amen. Le Seigneur a vu ta souffrance et il te demande d'être patient. Gloire à Jésus. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Vrai ou faux? Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Moïse n'a pas enduré comme
épreuve. Qu'est-ce que Moïse n'a pas enduré comme souffrance? Est-ce que cela a permis à Moïse de ne pas être patient? Est-ce que cela a donné l'ordre à Moïse de ne pas être patient? Moïse est demeuré patient. Il est resté patient malgré ce qu'il a traversé. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, je vais te poser une question. Alléluia. Toi qui es ici assis en cette matinée, pourquoi veux-tu déjà partir? Parce que tu n'es pas patient. Alléluia. Amen. Pourquoi tu veux bien quitter le bon endroit où le Seigneur t'a mis? Amen. À cause du manque de patience. Beaucoup ont déjà planifié des choses dans leur cœur. Le Seigneur te dit, sois patient. Alléluia. Le Seigneur te dit, sois patient. C'est que tu as pris dans ton cœur comme résolution. Sois patient, mon frère. Alléluia. Ne prends pas cette décision sous la colère, alors sous l'agitation. Le Seigneur te dit d'être patient. Attends et regarde encore. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La patience, une âme puissante. Entre les mains des croyants. Alléluia. Mon frère, ma soeur, un chrétien né de nouveau ne peut pas s'en passer de la patience. Est-ce que tu le sais? Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans la patience. Alléluia. Si tu n'es pas patient, laisse-moi dire, tu seras un destructeur. Alléluia. Un âme puissant en les, une âme puissante en les mains du diable. Le diable va te manipuler comme il veut et quand il veut, juste à cause de ton manque de patience. Beaucoup de chrétiens ne sont pas patients. La Bible dit que Moïse était un homme patient plus qu'aucun homme sur la terre. Je vous assure, un chrétien qui manque de patience est un chrétien à la merci du diable. Ma soeur, tu as des choses dans ton cœur. Tu passes le temps à te poser des questions. Tu passes le temps à te poser des tas et des tas et des tas de questions. Pourquoi n'es-tu pas patient? Le Seigneur t'appelle à la patience. Le Seigneur veut que tu sois doué de patience. Voici les signes du manque de patience. Vous allez noter le découragement. Écrivez. Les signes du manque de patience. Quand quelqu'un n'est pas patient, il finit par se décourager très rapidement. Alléluia. Très rapidement, comme bonjour, il se décourage. Parce que cette personne manque de patience. Cette personne n'a pas de racines en elle-même. Alléluia. Qui dit patience dit foi. Alléluia. Qui dit patience dit foi. Et de ce qui n'est pas patient est un chrétien qui n'a pas la foi. Alléluia. Où est votre foi? Ma soeur, mon frère, où est ta foi? Toi qui te dis chrétien, où est ta foi? Le Seigneur te demande de patience. Depuis que le Seigneur te demande, t'appelle à la patience. Juste à ce que tu avais planifié des choses, tu avais planifié même ton départ, planifié même quitter. Oh! Parce que tu avais trop attendu. Alléluia. Le Seigneur, le Saint-Esprit te stoppe en cette matinée net, il t'arrête net. Pour que tu ne fasses pas l'erreur de quitter la bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je sais que beaucoup sont sur le point du manque de patience. Voilà les signes du manque de patience, le découragement. Les plaintes. Écrivez. Les plaintes.
un chrétien qui passe tout son temps à ses pères. Oh Seigneur, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi, Seigneur. Oh, voici les autres réussites, voici pourquoi moi. Alléluia. Les plaintes. Pourquoi te plains-tu alors que tu as pour père le roi des rois, le président des présidents, le gouverneur des gouverneurs? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour nous? Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour nous. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre une chose. Alléluia. Revenons à l'Éternel. Amen. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Mais il nous appelle à ce matin à la patience. Beaucoup manquent de patience et manquent de foi. Je vous ai dit tout à l'heure que qui dit foi dit patience, qui dit patience dit foi. Alléluia. Regardez un homme comme Moïse avec tout ce que Moïse a traversé. Je vous assure que si Moïse n'était pas patient, il n'allait pas s'en sortir. Vrai ou faux? Moïse n'allait jamais s'en sortir s'il n'était pas patient. C'est pourquoi la Bible a dit qu'aucun homme sur la terre n'était patient comme Moïse. C'est pourquoi il a pu conduire. Alléluia. Je vous assure, même jusqu'au serviteur de Dieu. Alléluia. Si un homme de Dieu n'est pas patient, il va abandonner la bergerie du jour au lendemain. Frère ou faux? Alléluia. Il va abandonner la bergerie. Je vous dis, nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. Nous devons être remplis de patience, doués de patience. Combien d'hommes de Dieu ont abandonné la bergerie, abandonné les bébés du Seigneur et sont partis? Peut-être parce que c'était trop dur sur eux. Ils se sont dit que non, Seigneur, depuis que je suis là, vraiment, je vois que ça ne donne pas. Mieux, je ne peux pas chercher ma vie ailleurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, nous allons lire. Lisons dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, il dit au nom de Jésus. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Commencement. Alléluia. Tu as bien commencé. Maintenant que tu as abandonné la route. Alléluia. Ton effort sera en. Sera vain. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui sais ce matin, mets dans ta tête que mieux vaut ma chose, mais mieux vaut la fin d'une chose. Qu'est-ce que commencement? C'est pourquoi vous allez voir au quartier, beaucoup on dit vraiment, nous on a fait la foi. Vraiment, tu parles de quelle foi? Nous on a fait la foi. J'étais même courage, j'étais même ceci, vraiment. Tu me parles de quoi là? Je suis ancien dans la foi. Hein? Il se vend au quartier. Mais ne sachant pas que mieux vaut la fin d'une chose, quels sont commencement. Voilà ce que tu dois mettre dans ta tête. Toi qui as commencé, qu'est-ce que la Bible dit dans Galates? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Mon frère, toi qui es ici, ma soeur, après avoir commencé par l'esprit, si lit dans l'évangile, s'il est partout, s'il est. Mais veux-tu maintenant finir par la chair comme Galates nous dit? Non! Sois fort et patient. Et la foi! La Bible dit ça, la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu dois être patient et être rempli de foi. Amen! Dans l'attente d'une foi débordante, d'une pleine foi. Mieux vaut la chose,
La fin d'une chose est son commencement. Mieux vaut un esprit patient. La Bible dit un esprit patient. Vous savez, cet esprit doit habiter tout chrétien. Amen. Si un esprit de patience n'habite pas un chrétien, ce chrétien est en danger. Alléluia. Oui. Tu dois cultiver la patience. Mon frère, toi qui es ici, ma soeur, tu te poses des questions chaque jour. Qui t'a dit que tu es bien? Alléluia. Tu te poses la question que je suis vieille. Voilà que je mange déjà fait des années. Mais malade, alléluia. Non. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit que tu es vieille. Alléluia. Qui t'a dit que tu es vieille? C'est pas le Saint-Esprit, c'est pas Dieu qui t'a dit ça. Mais toi, non, tu te dis que tu fais comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous blaguez avec le Seigneur Jésus. Amen. Qui a enfanté dans sa vieillesse? Comme ça, la vieille comme ça. Jusqu'à ce qu'elle avait même honte. Dites-moi, c'était qui? Elle a enfanté. À toi, elle a dit à l'ange, elle a dit, Seigneur, mais pourquoi tu suis vieille comme ça? Comment tu peux dire ces choses? Alléluia. C'était qui? Alléluia. Est-ce que... Qu'est-ce qui peut te passer, le Seigneur Jésus? Toi, dis-qui, non, mon âge est avancé. Mon âge est avancé. Sois patient. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, sois patient. Alléluia. Sois patient et rempli de foi. Alléluia. Et la foi. Dis à ton voisin, et la foi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Loin de nous le découragement. Le découragement fait quoi dans la vie d'un chrétien? Alléluia. Le découragement n'a pas de place dans la vie d'un chrétien. Mais pourquoi tu décourages? Parce que depuis longtemps, tu attends, quelque chose n'arrive pas. Mais tu commences à être découragé. Tu commences à être découragé, beaucoup commencent à abandonner la foi. Je vous assure. Et beaucoup même, à cause de ces choses, deviennent infidèles. Des personnes qui étaient fidèles auparavant, parce qu'ils supposent qu'ils ont déjà longtemps assez attendu et la chose n'arrive pas, du coup s'énerve et devient infidèle et commence à faire des choses qu'ils ne faisaient pas pour imiter le Seigneur. Alléluia. Je vous le dis, ces choses se passent. Quelqu'un qui marchait tout le temps sur le chemin de Dieu, mais tu te rends compte que du jour au lendemain, la personne change, tu ne peux plus jamais reconnaître cette personne. Alléluia. Le diable a soufflé à cette personne, vraiment, regarde, puis tu es, si Dieu est là. Ne perds pas ton temps. Voilà, les gens réussissent. Les gens, ils sont à l'aise, toi, tu es là, chrétien. Voyez, ma soeur, fais attention. Alléluia. Et tu commences à écouter cette voix, à nourrir cette voix. Et c'est fini. C'est fini. Tu commences à vivre ta vie comme tu veux. Le Seigneur pleure. Ma soeur, il faut patienter. Même si c'est dans 10 ans, patiente. Alléluia. Gloire à Jésus. La femme qui souffrait d'une perte de sang depuis combien? 12 ans. Alléluia. Mais toi, tu as encore fait 2 ans dans le réveil. Tu dis que non, depuis vraiment, tu as attendu. Beaucoup n'ont pas encore fait un an. Vraiment. Vous voyez? Tu n'as même pas encore fait un an, tu commences à te poser des questions, vraiment Seigneur, oh, c'est comme si tu avais déjà fait 10 ans. Le réveil, vous voyez, ça ne fait même pas encore 3 ans, 3, même 4 ans que les gens sont ici dans le réveil. Mais les gens voient déjà comme si c'était des milliers d'années. Je vous assure, tu as déjà attendu des choses et sont même déjà découragés. Je me dis que mais les gens ont même attendu même quoi d'abord? Tu as même attendu. Tu as déjà attendu même quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est très important. Mettez cela dans votre esprit. Amen. Un chrétien qui n'est pas patient va se détruire. Va se détruire lui-même. Cultivez la patience et un esprit patient en vous. Lisons dans Habacuc 2. Lisons dans Habacuc.
Habakkuk 2:3. Habakkuk 2:3, je lis au nom de Jésus. Amen. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Continue. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle t'a fait comment? Attends-la. Alléluia. Est-ce que tu as attendu? Qui a déjà attendu assez? Personne, n'est-ce pas? Bon, qui s'y continue d'attendre la prophétie? Alléluia. Gloire à Jésus. Si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la. Vous savez, le rêve que beaucoup font souvent, beaucoup partent quand la bénédiction est sur le point de déclencher une seconde. Le diable soulève ses deux pieds et il tombe. Alléluia. Je vous le dis. Quand la bénédiction est sur le point de tomber, les quelques secondes qui font la tac. Mon frère, ma soeur, il y a des moments où quand tu ressens une pression sur toi, alléluia, tu ressens l'envie d'aller dans le monde de tout abandonner. Tu ressens l'envie de tout arrêter. Alléluia. Sache que ta bénédiction est sur le point de tomber. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous assure, c'est des choses réelles. C'est des choses que nous vivons. Alléluia. Et quand tu parviens à traverser cette étape, tu ne peux pas imaginer. Amen. Je vous le dis, c'est toujours comme ça. Vous allez voir, vous allez commencer à ressentir des oppressions terribles. Quand votre bénédiction est sur le point d'accomplir, des oppressions terribles, tu te dis même que tu vas me dire, mais vraiment, est-ce que c'est la foi là que tu connais? Ou bien c'est autre chose? Mais c'est terrible. Tu vas ressentir des oppressions. Tu vas avoir une pression sur toi. Agir sur toi. Des choses que tu ne ressentais même pas avant, tu commences à les ressentir. Tu as envie de tout abandonner. Tu as envie de dire, assez c'est assez. Ça va, je m'arrête maintenant à ce niveau. Alléluia. Sache que c'est là où sous tes pieds. Alléluia. Les bénédictions sont déjà là. Gloire à Jésus. C'est ça pour faire. Mais vous savez, le plus souvent, beaucoup échouent. Amen. Le plus souvent, beaucoup échouent à ces pressions. Le diable est tellement, il connaît tout. Il est tellement, il est prêt, il veille pour arracher. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous allez voir quand, toi ma soeur qui est ici, ta bénédiction est sur le point de tomber. Après, on ne te voit plus, tu disparais. Alléluia. Parce que le Seigneur avait planifié, bien programmé. Ta chose, ton canon. Mais tu abandonnes la foi de qui? Oh, déjà, ils ont dit, mais comment ça se passe? Comment la relation n'a pas vu? Vous voyez? Et c'est fini. Et tu perds. Pourquoi on fait ça? Quand la bénédiction est sur le point de vous allez voir que le diable va faire tout pour vous. Soit pour te repousser dehors. Soit pour annuler ça d'une autre façon ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Ma soeur, mon frère, quand tu commences à ressentir ces choses-là, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Alléluia. Lève-toi. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents, est-ce qu'on a dit que ce n'est pas violent? Oh! Vous avez suivi l'histoire de Daniel? Alléluia! Comment le diable a tout fait? Pour bloquer. Qui a lu? Qui connaît ça? Amen! C'est pas facile. Je vous le dis. Daniel, le roi des Perses. Alléluia! 21 jours! Vous blaguez. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas.
C'est pourquoi l'esprit de patience doit nous animer. Sinon, nous allons faire des dégâts terribles. Soyez patients. Alléluia. Pour beaucoup de personnes d'entre vous, ils y verront des choses d'ici quelques années. Alléluia. Pour d'autres, d'ici quelques semaines. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Mais le Seigneur fait toutes ces choses pour notre bien. Alléluia. Il fait ça pour notre bien. Il sait que pour Étienne, vraiment, Étienne là, il faut encore trop de travail dans sa vie. C'est pourquoi le Seigneur doit d'abord te bien te nettoyer, bien te nourrir pour que tu entres maintenant dans ta bénédiction. Alléluia. Parce que si ça, Étienne, maintenant c'est fini, Étienne va abandonner la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la même chose, Sarah Stéphanie, même chose. Vous savez ce que vraiment avec Sarah Stéphanie, si je lui donne maintenant le mariage. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il faut d'abord que je travaille d'abord Sarah Stéphanie. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est juste des exemples que je suis en train de donner. Alléluia. Amen. Je vous assure, c'est que ça sera, ce sera le feu dans le foyer. Alléluia. Le Seigneur sait que vraiment la sœur Lucie, avec la colère, c'est lui, avec la colère, si je tape les noms vraiment, c'est que c'est fini. La sœur Lucie va tout saccager. La télévision, bam, au sol, congélateur, tout. Alléluia. Je vous assure, le Seigneur va d'abord faire un profond travail. Gloire à Jésus. Amen. Oui, dans la vie de chacun. Afin que quand maintenant tu vas entrer dans ta grâce, tu seras à l'aise, heureuse. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Le Seigneur n'est pas méchant. Acclame-le, il n'est pas méchant. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas méchant. Il est très très bon. Alléluia. C'est pourquoi il prend le temps pour chacun. Amen. C'est pourquoi quand tu vois pour ton frère, pour ta soeur arriver facilement, alléluia, ne te dérange même pas. Gloire à Jésus. Attends le Seigneur, dis que Seigneur, je te bénis pour la douleur de mon frère et de ma soeur. C'est ça. C'est comme ça. Ne fais pas des choses par suivisme. Comme on dit souvent, tu vois pas le mari, ta soeur se marie, tu vois l'autre se marie, l'autre. Mais toi, tu dis que mais depuis que je suis la personne me regarde. Mais on dirait que je suis planté comme un arbre. Alléluia. Personne ne me regarde. Ou alors je ne suis pas belle. Non. Alléluia. Ne te posez pas des questions. Ne te plains non. Ne te plains pas non plus. Alléluia. Le Seigneur te voit très bien. Alléluia. Je t'assure. Le Seigneur te voit très 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 bien. Et il t'aime énormément. Il veut d'abord faire un travail avec toi. Gloire à Jésus. Je veux dire, tu dois le lever, c'est toi, toi dans la quatrième. Alléluia. Gloire à Jésus. Pas en cotisant. Vous voyez. Mais les gens sont pressés. Les gens sont pressés de se marier. Les gens sont pressés, agités. Oh. C'est le zèle amen. Hein. Alléluia. Je vous assure, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés pour faire quoi que ce soit. Que ce soit le mariage, alléluia. Amen. Ne sois pas pressé, le Seigneur te dit d'être patient. Alléluia. Ça arrivera tôt ou tard. Si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la, tard, elle s'accomplira. Amen. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. C'est Rebecca. Si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la. Alléluia. Amen. Et s'accomplira certainement. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça. Mon frère Isaac. Gloire à Jésus. Soyez fortifiés. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que vous soyez des responsables. Gloire à Jésus. Oui. Le Seigneur veut que vous soyez des personnes responsables. Il ne veut pas, le Seigneur ne veut pas faire des choses à l'agitation. Vous, quand vous voyez bien, il y a trop d'agitation.
il y a trop d'agitation. C'est quelque chose que le Seigneur a constaté. Tous les gens sont agités. Le Seigneur veut ramener l'esprit de responsabilité dans son église. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il veut ramener l'esprit de responsabilité. Va voir quand l'esprit de responsabilité va animer chacun, vous ferez des changements ici. Terrible. Amen. Vous allez voir. Les choses vont se passer correctement et simplement, pas d'agitation. Que non, 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 vraiment, pendant la séance, Sarah qui s'est bien mariée, moi, il n'y aura plus ces choses. Alléluia. Tout sera simple. Je vous assure. Et ne convoitez pas. Restez là où le Seigneur t'a mis. Amen. Ne convoite pas. Ne convoite pas. Ta bénédiction arrive. Alléluia. Amen. Ce message est fait pour toi, ma soeur. Parce que le Seigneur a dit ton cœur. Il a vu le saignement de ton cœur. Il te dit, sois patient car ta bénédiction arrive. Alléluia. Oui, sois patient. C'est dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement le domaine du mariage. Gloire à Jésus. Pour d'autres, c'est sur le plan du travail. Alléluia. Ils ont déjà tout fait, mais ils n'ont pas de travail. Ils ont déjà tout fait, mais il n'y a pas de travail. Il dépose des dossiers de gauche à droite, des dossiers de gauche à droite, mais il n'y a pas. Alléluia. Oui, le papa est effectivement accusé du Seigneur. Non. Le Seigneur sait ce qu'il fait. S'il a permis que tu sois comme ça, acclame le Seigneur pour lui. Tu l'acclames et tu dis Seigneur, tu t'acclames. Alléluia. C'est comme ça. Mais s'il a permis que tu travailles, tu l'acclames également. C'est la même chose. Donc, tout ce que le Seigneur décide que tu sois ici. Remercie-le. Alléluia. Remercie-le. Vous allez voir que pour certaines personnes, c'est dans certains cas, le Seigneur fait certaines choses pour leur bien. Vous allez voir que quelqu'un a déjà tout fait. A déjà tout fait. Mais il cherche quelque chose avec la torche. Il n'a pas cette chose. Mais les choses, les autres font ça facilement. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans son cas, c'est différent des autres. C'est pourquoi tu n'es pas. Tu n'es pas le frère Paul. Le frère Paul n'est pas le frère Moïse. C'est comme ça. Le Saint-Esprit travaille avec chacun comme il veut. Lisons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6 à 4. De Corinthiens chapitre 6, verset 4, il y a mais nous avons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Verset combien? Verset 4. Oui. De Corinthiens 6, verset 4. 2 Corinthiens, juste verset. Je relis un peu, oui. Je relis au nom de Jésus. Mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu dois être patient, très fort patient dans tous les domaines. Alléluia. Tu as déjà tout fait, tu as déjà donné des conseils à ses frères. À cette soeur, mais la soeur ne change jamais. Alléluia. Sois patient avec ta soeur. Oui, sois patient avec ta soeur. Sois patient avec ta soeur. Alléluia. Tu as déjà tout fait pour tel homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu change. Tu vois l'homme de Dieu la même chose. Alléluia. Le Seigneur te dit d'être patient. Gloire à Jésus. La patience est très importante, je vous assure. Si quelqu'un n'est pas patient, il va commencer, il va faire des dégâts terribles dans la maison de Dieu. Des dégâts terribles. Il va commencer à juger les gens. Alléluia. Le jugement, tu commences à juger. Tu sais parce que tu n'es pas patient. Le Seigneur prend le temps. Le faire est comme ça. Le Seigneur prend le temps de le travailler. Alléluia. Mais toi, tu es en train de juger. Qui t'a mis comme serviteur? Qui t'a mis comme juge? Le Seigneur prend le temps. Patience, ta soeur. Elle changera. Alléluia. Patience. Tu as vu quelque chose à l'église.
tu veux bien partir. Mais est-ce que c'est le Seigneur qui t'a demandé de partir? Si le Seigneur, tu as vu quelque chose, tu dois faire comment? Tu dois prier, n'est-ce pas? Prier. Si tu as vu que tel homme de Dieu, quoi, ils ne font pas quoi, ils ne font pas ceci. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez porter votre pied et soyez parti? C'est ça? Est-ce que c'est ça que le Seigneur veut? Vous devez prier pour eux. Vous devez prier pour eux afin qu'ils changent. Et quand vous priez, priez, ayez l'esprit de patience. Vous priez en patientant. Priez dans la patience. Quand tu pries, la semaine prochaine, tu viens, tu regardes et tu commences à regarder l'homme de Dieu. Tu attends s'il va encore faire la même chose. Regarde, tu vois. Alléluia. Amen. Tu vois, tu pries pour ton frère. Quelques semaines, tu commences, tu viens, tu regardes, regarder la soeur. Tu regardes, si la soeur commence à encore faire la même chose, tu vas dire vraiment, ça ne vaut pas la peine. Alléluia. Ça ne vaut pas la peine de déclasser. Tu déclasses. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vous assure. Patiente. Ton mari. Alléluia. Tu as rien tout fait. Ton mari. Ça change les choses dans le foyer. Il ne change jamais. Alléluia. Sois patient. Tu lui dis des choses. Il n'écoute jamais ce que tu dis. Alléluia. La Bible dit que la femme sale bâtit son foyer. Amen. Tu dois être patient dans ton foyer. Patient envers ton mari. Amen. Tu dois être patient envers ta femme. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur changera ces côtés que ta femme a toujours. Ces côtés-là que ta femme a toujours, il ne veut pas abandonner. Le Seigneur va travailler ça. Rien n'est impossible à Dieu. Ces côtés que ton mari a et ne veut pas lâcher. Seigneur, tu vas voir ça. Privé par ton pays. Un jour, alléluia. Nous devons être très patients. Animer d'un esprit de patience. Tu as fait le concours à tes enfants. Il n'arrive pas à réussir. Il ne réussit pas. Sois patient. Même à l'école, même si ton enfant échoue. Alléluia. La patience est très bien. Une soeur m'a appelé de l'église Jésus est bien, Gawa. Elle m'a dit qu'elle a fait l'école normale. Elle a échoué. Alléluia. La soeur m'a dit qu'elle a échoué. J'ai vraiment aimé sa façon de se comporter. Amen. Je lui ai conseillé, quand j'ai donné des conseils, j'ai dit simplement que le Seigneur te fortifie, ne te décourage pas. Alléluia. Elle me dit, hé, hey, homme de Dieu, mais je suis très fier comme si je, rien ne m'avait arrivé. Je loue, j'ai adoré le Seigneur. J'ai dit, waouh, c'est du jamais vu. Alléluia. Je vous assure. Elle a regardé quelqu'un qui a raté l'école normale. Elle m'a dit, homme de Dieu, j'ai loué, j'ai adoré le Seigneur. J'étais dépassé. J'ai dit, mais quel grand effort. Alléluia. Quelle foi. Je vous assure. Regardez, c'est comme ça que les chrétiens doivent se comporter. C'est-à-dire, il a commencé à tourner le Seigneur pour son échec. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Qui est prêt à faire ça ici? Qui est prêt à faire ça? Alléluia, attends le Seigneur Jésus pour ta vie. Si tu es prêt à faire ça, c'est très important. C'est très très important. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui ont fait ce genre de prière. Seigneur, je te bénis pour cette maladie qui ne me quitte jamais. Tu es prêt à faire ce genre de prière? Alléluia! Je te bénis pour cette maladie qui ne veut jamais me quitter. Oh! Le Seigneur aime des gens comme ça. Amen! Mais les gens vont dire vraiment, depuis Seigneur, les plaintes, depuis Seigneur, depuis je suis malade. On dirait. Alléluia! Regardez! La foi doit nous animer. Et vous allez voir. Parce que quand tu es Seigneur de personne, ton chemin est tracé. Clair. Gloire à Jésus. Comme je venais de vous dire, beaucoup ratent leur bénédiction comme ça. Au moment d'entrer dans leur bénédiction, ils se détournent. Le diable vient et il vole. Il arrache.
Continue à être fidèle. Alléluia. Sois fidèle. N'abandonne pas le Seigneur. Parce que tu as déjà trop attendu quelque chose ici. Toi, femme, laisse ton mari. Comme il se comporte là, ne te mets pas en colère. Alléluia. Toi, femme, tu as un mari non-croyant. Continue à prier. Amen. Continue à prier pour ton mari. Ne te fâche pas contre lui. Beaucoup se mettent en colère contre le mari non-croyant. Si tu te mets en colère entre toi et ton mari, qui est païen? Alléluia. Si tu commences aussi à t'agiter sur lui, à l'insulter les mots. Toi, femme chrétienne, qui continue à lancer les mots à ton mari non-croyant. Tu es un diable, tu sens que tu es un démon. Tu ne changes pas depuis, c'est quoi ça? Depuis que j'ai pris pour toi, tu es suivi comme ça. Alléluia. C'est pas toi qui vas le changer, c'est le Seigneur. Amen. Comportez-vous bien envers vos maris non-croyants. Alléluia. L'apôtre Paul a dit. Amen. Comportez-vous bien. Également toi, homme, comporte-toi bien envers ta femme non-croyante. Afin de la gagner à Christ. Ce n'est pas le miracle. C'est pas la magie. C'est pas ton comportement. Alléluia. Qui acceptera Christ? Gloire à Jésus. C'est pas ton comportement que ton mari va accepter Christ, que ta femme va changer. Va dire, je vais suivre le Dieu que tu sers. Alléluia. Soyez patient. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas patient, regardez. Samson, il a dit là sa femme. Gloire à Jésus. La Bible dit que l'âme de Samson s'impatienta à la mort. Alléluia. Il faut être patient. Sinon, la mort se couche à ta porte. Gloire à Jésus. Oui, sois patient. Son âme s'impatienta à la mort. Lisons Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22, je vous réjouis. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. Toutes ces choses doivent nous amener. Alléluia. Amen. Les fruits de l'esprit. Alléluia. C'est la douceur, la patience, la tempérance. Toutes ces choses doivent nous amener. Et la foi. La Bible dit ça, la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais beaucoup vivent sous la peur. Beaucoup vivent sous la terreur. Un chrétien de foi, un chrétien doit être rempli de foi, doit être rempli de patience pour faire face aux attaques. Pour faire face aux attaques du diable. Lisons 1 Thessaloniciens 5, 14. Amen. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles,
Usez de patience envers tous. Usez de patience envers tous. Envers tous. Oui, usez de patience envers ton frère. Oui, continue. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Alléluia. Mais poursuivez toujours le bien. Alléluia. Soit entre vous, soit envers tous. Je vous assure que si l'esprit de patience règne dans cette église, vous n'allez pas entendre ce que c'est que l'ennemi de calomnie. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous n'allez pas entendre ces choses. Si l'esprit de patience anime tout un croyant ici, tout un chrétien ici dans cette salle, vous allez voir. Un changement terrible. Gloire à Jésus. Oui. Usez de patience les uns envers les autres. Allez, tu vas patienter ton frère, ta soeur. Quand on croit directement, le jugement ne doit pas apparaître dans ta tête. Alléluia. Parce que l'amour ne permet pas ces choses. Tu vas patienter dans l'amour, sachant que le Seigneur transformera ton frère et ta soeur. Vrai ou faux? Alléluia. Oui. Usez de patience. Avec tout, parce que quand tu vois un frère comme ça, oh, regarde, tu commences à parler de l'humain partout. Non, c'est pas ça. Où est la patience? Où est la patience? Où est l'amour? Les fruits de l'esprit, où sont-ils? La tempérance. La Bible dit que nous devons parler peu. Alléluia. Beaucoup écouter. Alléluia. Tu dois être quelqu'un qui parle peu et qui écoute beaucoup. Écoutez-vous. Oui. Quand tu rapproches de ton frère et de ta soeur, vous vous échangez. Peut-être qu'on a aussi des conseils à lui donner. Mais pas que non, tu commences directement à juger ton frère, à juger. Non. Usez-vous de patience. Alléluia. C'est très important, je vous assure. Lisons aussi 1 Thessaloniciens 2 toujours. 1 Thessaloniciens 2, 3 à 5. Chapitre 2, verset 3 à 5, j'ai lu le nom de Jésus. Amen. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sauve nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles porteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mourir. Dieu en est témoin. Amen. Lisez le verset 2, Timothée 2. Timothée 2, 24. Lisez plutôt Timothée 2, 24. Et Timothée. Oui, 2 Timothée. 2 Timothée 2, 24. 2 Timothée chapitre 2 verset 24, j'ai lu au nom de Jésus. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Être propre à enseigner, doué de patience. Doué de patience. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, doit être doué de patience. Alléluia. Doit être doué de patience. L'esprit de patience doit animer cette église. Beaucoup sont ici, mais leurs cœurs sont ailleurs. Alléluia. Parce qu'ils ne supportent pas le frère. Parce qu'ils ne supportent pas le soeur. Ils ne supportent pas le comportement de leur frère. Alléluia. Ma soeur, et tu vas dire que tu es chrétien. Comment tu ne supportes pas, tu ne peux pas supporter ton frère? Comment tu ne peux pas supporter ta soeur? Nous devons nous supporter les uns les autres. Et nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Alléluia. Veille sur ton frère. Afin que ton frère ne s'égare pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pas seulement le travail du pasteur. Même toi, fidèle, tu dois veiller sur ton frère
Si tu ne vois pas un frère ou un autre, n'attends pas que c'est le passé qui doit aller forcément. Alléluia. Tu dois payer sur ton frère, ta soeur. Que pourquoi tu ne vois pas qu'elle se détruit un nombre de temps? Pourquoi je ne vois pas qu'un frère détruit un nombre de temps? Tu dois veiller et faire du tout pour la ramener. Beaucoup vont directement voir le matériel. Alléluia. Je vous assure, bénédiction c'est dans tous les domaines. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Si le Seigneur ouvre les yeux de certaines personnes ici, ils seront dépassés. Ils sont tellement bénis. Mais vous allez voir que sur le plan physique, ils sont pauvres. Alléluia. Vrai ou faux? C'est pas vrai? Ouais. Mais sur le plan spirituel, ils sont chargés. C'est la bénédiction ou c'est pas la bénédiction? Alléluia. Ouais. Quand je dis que sois patient, quand ta bénédiction arrive, ne pense pas que vraiment les immeubles sont en train de venir. Alléluia. Amen. Ne pense pas que les immeubles ou les voitures sont en train de venir en route. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ça peut être possible pour toi comme ça peut ne pas être possible. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tout est possible à Dieu. Pour certaines personnes, ils seront riches spirituellement. D'autres seront riches sur le plan physique. Ils sont riches. Alléluia. Dieu connaît chacun. Et Dieu fait de chacun ce qu'il veut. Amen. Il faut accepter là où tu te trouves. Sinon, tu vas abandonner la foi. Si tu dis ça, je sais de quoi. Je pars. Parce que sinon, tu vas abandonner la foi. Amen. Tu seras riche spirituellement. Mais beaucoup vont rejeter ça. Ils ne veulent pas. Ils veulent aussi forcément être comme l'autre. Le physique. Alléluia. Non. Si le Seigneur t'a donné ta part là, restez comme ça. Alléluia. On se complète. Vrai ou faux? On se complète. Si les gens sont seulement riches physiquement, comme ça, matériellement, comme ça, physiquement. Alléluia. S'il n'y a pas les chargés spirituels là, est-ce que ça va marcher? Non. Il faut aussi les chargés spirituels à côté. Amen. Les riches spirituels, le Seigneur ménage. Gloire à Jésus. Amen. Regardez dans la Bible. Quand vous voyez les hommes de Dieu, alléluia, c'est qu'on servit le Seigneur. Quand vous voyez, est-ce qu'ils sont tous au même niveau? Est-ce qu'ils sont au même niveau? Vous allez voir que d'autres sont excessivement riches. Alléluia. Quand vous allez voir d'autres sont terriblement pauvres. Amen. Mais spirituellement riches. Comme certains prophètes. N'est-ce pas? Amen. Élie. Élisée. Alléluia. Élie. Élisée. Et oh. Est-ce que vous comprenez? Quand tu viens à Dieu là, c'est pourquoi l'esprit de sagesse doit nous animer. Amen. Tu dois être sage. Sinon, les murs s'étaient trompés. Gloire à Jésus. Oui. Il faut être sage. C'est ça. Le Seigneur ne refuse rien à personne. Mais il sait que tel est bon pour telle personne. Tel, ceci est bon pour ceci. Alléluia. Il va dire au frère Moïse que Moïse, pour toi, ma grâce te suffit. Amen. Gloire à Jésus. Comme il a dit, Apôtre, regarde la Bible. La Bible dit, le Seigneur faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Le Seigneur faisait des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul. Quand il passait même son ombre, guérissait les gens, mouchoirs, qui guérissait tout. Donc, il était sensible, sensible au miracle. Quand il fait comme ça, un peu comme ça, quand le miracle coule seulement. Alléluia. Mais quand vous voyez l'apôtre Paul, la vie de l'apôtre Paul, est-ce que l'apôtre Paul était. Est-ce qu'il était. Il était comment? Il était riche. Vous voyez? Charles était, je dis bien, bien chargé spirituellement.
mais il n'avait rien physique, de matériel, de compte, il n'avait rien. La Bible, l'apôtre Paul vivait de ses tentes qu'il vendait. Vous voyez, il a dit que j'ai reçu des coups, la famine a menacé l'apôtre Paul, comme tous les autres. Il a traversé des moments difficiles, vous voyez, jusqu'à ce que l'apôtre Paul est parti. Simplement, c'est des choses que vous devez mettre dans votre tête. Alléluia. Pour que vous soyez préparé psychologiquement, sinon ça va vous détruire. Sinon, beaucoup seront là en train d'attendre que les choses arrivent. Alléluia. Et les années passent, ils ne voient pas ces choses, commencent à se décourager et abandonnent la foi. Amen. C'est ça. Mais il y a des gens ici que le Seigneur ne peut pas bénir physiquement. Vous allez voir physiquement. C'est pourquoi chacun doit rester à sa place. Amen. Si le Seigneur met le riche, ici, il met le charnier spirituel. Le riche est là pour apporter l'aide pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur fait ces choses. Le Seigneur fait ces choses. Il nous mélange. Il nous mélange. Il va amener des gens riches, financièrement, matériellement, à l'église, pour que ces gens servent à l'avancement de son œuvre. Maintenant, également, les gens, les chargés spirituels, ont également leur rôle à jouer. Et nous tous, nous formons une bonne famille. Alléluia. Accompli. C'est comme ça. Quand vous entendez le langage dans le monde, que vraiment, le riche a, le pauvre a besoin du riche, donc, sans le pauvre, sans le pauvre et le riche, c'est des choses faites. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Et effectivement, c'est ça. Quand le riche est là, le pauvre est également là. Chacun a sa place. Et le pauvre est le riche. Le riche également trouve son compte chez le pauvre. Le pauvre trouve son compte chez le riche. Vous voyez, le monde est bien planifié. Dieu n'est pas fou. Amen. Donc c'est pourquoi la Bible dit que quel celui qui mange, quel celui qui mange ne se moque pas de celui qui ne mange pas. Que le riche ne se moque pas du pauvre et que le pauvre également ne commence pas à murmurer contre le riche. Donc que chacun reste à sa place. Alléluia. C'est comme ça. Afin que nous formons une bonne famille dans le Seigneur. Que vous êtes cité ces gens qui ont servi le Seigneur. Les gens qui ont été excessivement bien riches. Les gens. Et autres. C'est ça. Mais à côté, vous allez voir des hommes riches spirituellement, mais financièrement, matériellement, ils n'avaient rien. C'est comme ça que le Seigneur fait ces choses. Et tu dois être content de l'état là où le Seigneur t'a mis. Lisons. Lisons le titre. 2, 2. Tite chapitre 2, verset 2, je vous le dis. Amen. Dites que les veillards être sombres, honnêtes, modérés, saints dans la patience, dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Amen. Amen. Les veillards également, le Seigneur les conseille également d'être patients, d'être modérés dans leur conduite. Et il dit aussi Jean 1, 14. Jean 1, 4. Jean, je peux vous verser 4, je vous le dis. Amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Alléluia. Afin que vous soyez parfait et accompli. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Alléluia. Amen. Afin que vous soyez parfait et accompli. Accompli. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. Gloire au Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Oui, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, le Seigneur met le riche financièrement, matériellement, et il met également le pauvre, il les met tous ensemble. Le Seigneur ne fait pas de distinction. Alléluia. Chacun doit se contenter de l'état où le Seigneur le met. Mais si tu commences à convoiter, à regarder l'autre, ma soeur, je t'assure, mon frère,
tu vas tomber très mal. Je t'assure. C'est une vérité. Regardez ces prophètes qui ont été vraiment chargés spirituels. Est-ce qu'ils convoitaient les richesses? Ils ne convoitaient personne. Donc, ils s'en foutaient même de ces choses. Je vous assure. Ils ne convoitaient rien. Ah, l'apôtre Paul disait quand il partait chez toi, il disait que je ne viens pas pour que tu me donnes quelque chose. Alléluia. Voilà, écoutez ce que l'apôtre Paul disait. Si je viens te rendre visite, ce n'est pas non, ne pensez pas que je viens pour prendre votre chose pour que vous me donnez des choses, non. C'est ça. Gloire à Jésus. C'est pour vous fortifier dans la foi, ce que l'apôtre Paul disait. Il venait pour vous fortifier, mais il ne vient pas chez vous pour vos biens. Vous voyez, le contentement. L'apôtre Paul a appris le contentement. Il a dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Alléluia. Que ce soit dans la pauvreté, que ce soit dans le manquement, que ce soit dans l'abondance. Regardez, c'est l'esprit qui doit animer tous les chrétiens. Alléluia. Ces choses sont très importantes de peur que vous n'abandonniez la foi, de peur que vous ne compreniez mal ce que c'est que la foi chrétienne. Parce que beaucoup ont mal compris la foi chrétienne. Beaucoup pensent que non, être chrétien, c'est que venir être riche, avoir des choses, rouler dans les voitures. Non, c'est pas ça. Si c'est ça qui t'anime, si c'est ça qui est dans ta tête, enlève ça aujourd'hui, enlève ça. Écoutez. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc sois patient. Laisse-toi conduire par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur te conduise, qui te guide. Qui te guide. Et qui te guide et t'amène là où il veut. Alléluia. Amen. Il y a une chanson qui dit, amène-moi là où tu veux. Alléluia. C'est ça. Amène-moi là où tu veux. Jésus, oh, je te suivrai. Alléluia. C'est ça. Tu dois dire, Seigneur, amène-moi là où tu veux. Nous devons apprendre à être contents de l'état où nous nous trouvons. Afin d'être des chrétiens accomplis. Que le riche se réjouisse. Alléluia. Que le pauvre se réjouisse. C'est ce que le Seigneur veut. Et ensemble, forme une bonne famille. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour ta vie? C'est l'état dans lequel tu te trouves actuellement. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Alléluia. Le Seigneur est content de tout et de chacun. Alléluia. Amen. Ma soeur, le Seigneur est content de toi. Il est content de toi, mon frère. Oui. Et le Seigneur vous aime tous. Il ne fait pas de combine, comme on dit souvent. Bon, nous allons lire également Jean 1, 13. 1, 3. Jean 1, 3. Jean chapitre 1, 13. 1, verset 3, j'ai lu mon Jésus. Oui. Sachant que les fleurs de votre foi produisent la patience. L'œuvre de notre foi doit produire quoi? La patience. La patience. Oui. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut vraiment que la patience accomplisse parfaitement son œuvre dans cette église. Dis à ton voisin comme ça. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin que la patience doit t'animer. La patience doit t'animer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ainsi tu seras un chrétien complet, accompli. Amen. Amen. Oui. Jean 5, 7. Jean chapitre 5, verset 7, j'ai le nom de Jésus. Amen. Soyez donc patients. Soyez donc patients. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Continue, verset 10. Voici le laboureur qui attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait réussi. Le puits de la première et de l'arrière saison. Oh! De la première et de l'arrière saison. Quand tu fais le chant là, alléluia, tu attends avec patience, vrai ou faux. Tu attends avec patience pour que le maïs pousse, pour que le maïs grandisse. Alléluia. Tu attends toutes ces choses avec patience, vous voyez, rempli de foi, que cela va pousser et ça pousse.
Alléluia. C'est ça. Voilà comment la patience doit nous animer. Quand quelqu'un fait son chant, quand quelqu'un fait l'élevage, il a la foi remplie de patience que vraiment ça va marcher. Et ça marche. Oui. Voilà que cet esprit doit nous animer. Afin que nous soyons des chrétiens accomplis, que nous ne tombions pas dans le piège de l'ennemi. Sinon, beaucoup ici vont tomber dans le piège du diable. Parce que sinon, beaucoup ici, s'ils ne font pas attention, parce que quelques années, vous allez voir, beaucoup de chrétiens viennent ici pour autre chose. Alléluia. Nous ne venons pas tous pour une même cause. Beaucoup viennent ici pour autre chose. Certains viennent également pour autre chose. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ici viennent pour le sang. Alléluia. Voilà ce qui est tout, ce qui va animer tous les chrétiens. Mon frère, si tu es ici, c'est pour ton salut. Qui est venu ici pour le mariage? Qui l'aime sa mère? N'est pas honte. Bon, qui est venu ici pour les richesses? Qui lève sa main? Alléluia. Qui est venu ici pour le travail? Parce qu'il est déjà fatigué. Chercher le travail partout, partout. Il a dit vraiment, je vais aller dans une église, on va prier pour moi. Bon, qui est venu ici pour toi? Pour ces choses. Si tu es venu ici pour ces choses, c'est pour dire que ta foi ne va pas faire long feu. Alléluia. Tu vas t'arrêter en route. La preuve en est que ceux qui sont venus pour ces choses, on ne les voit plus. Ils sont partis. Amen. Il ne faut pas que cela soit ton cas. Alléluia. Oui. Si tu es venu ici pour le matériel là, je t'assure que tu vas partir. Alléluia. Amen. Mais je ne veux pas que tu partes à cause du matériel. Reste là où le Seigneur t'a amené. C'est le salut de ton âme. Acclame le Seigneur Jésus. Le salut de ton âme. Oui. Tu es ici pour le salut de ton âme. Ou rien. Alléluia. D'où le verset qui dit Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par. C'est ça. Si quelqu'un comprend ces versets, c'est bon. Tout est accompli. Amen. Oui. Il met premièrement le royaume et la justice de Dieu devant. Et les autres choses le suivent simplement. Alléluia. C'est comme ça. Ne soyons pas de ceux-là qui suivent les choses, comme dans les autres des églises, de la voie large, comme des salles d'attente pour l'enfer, qui suivent le miracle. Et il renverse les versets bibliques. Il renverse les chapitres. Il renverse tout. Alléluia. La Bible a dit que ces choses vont te suivre, mais eux, ils suivent ces choses d'abord. Alléluia. C'est comme ça. Vous allez voir si les chrétiens qui viennent ici pour le salut, vous allez voir que 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils seront toujours ici. Amen. Amen. Je vous assure, les chrétiens qui sont réellement venus pour le salut de leur âme, nous sommes là, vous verrez. D'ici 20 ans, 35 ans, ils seront toujours là. Amen. Amen. Mais ceux qui étaient venus pour autre chose, vous ne les verrez plus. Alléluia. Amen. Cela ne doit pas être ton partage, mon frère, ma soeur. Aggrave cela sur la table de ton cœur, comme la Bible dit. Que cela soit aggravé dans ta mémoire. Alléluia. Si tu es venu pour autre chose, lisons verset 11, toujours Jean. Jean chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez. Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, oui. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Ah, de la patience de qui? De Job. Vous avez entendu parler de la patience de Job? Est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu parler de la patience de Job? Amen. La Bible dit ceux qui ont souffert patiemment, comme Job. Regardez comment Job a souffert. Si c'était toi, tu serais encore ici à l'église. Dis-moi la vérité. Non. Alléluia.
J'ai béni le Seigneur Jésus pour ta vie parce que tu es vrai. Amen. Amen. C'est ça, il faut être vrai. Beaucoup ne seraient pas ici s'il était à la place des gens. Alléluia. Nous connaissons ce que Dieu a traversé. Aujourd'hui, quelqu'un a seulement faim. Il veut déjà abandonner l'église. Je vous assure. Ça, c'est une vérité. Alléluia. Parce que quelqu'un a seulement fait quelques jours de famine. Il veut déjà abandonner l'église. Il y a des gens ici qui sont prêts pour la nourriture, je vous assure. Alléluia. Est-ce que cela doit nous animer? Cela ne doit pas être notre partage. Amen. Dis que nourriture, tu m'empêcheras pas la deuxième. Amen. Alléluia. Nourriture, tu ne m'empêcheras pas la troisième. Amen. Gloire à Jésus. C'est des choses banales, des choses qui font rire, mes frères. Je vous assure. Alléluia. Des choses qui se font rire, mais c'est vrai. Qui vont empêcher malheureusement. Alléluia. Oui. Tu ne dois pas, un chrétien ne doit pas se laisser emporter par ces choses, courir derrière ces choses. Moi, ça m'étonne souvent de voir certains chrétiens, on est ou pas, peut-être on est dans une cérémonie, ou alors je ne sais pas. Ou alors dans un mariage. On va voir les chrétiens bagarrer pour la nourriture. Hey! Ma soeur, mon frère, si tu étais dans ces gens, les choses sont rapidement. Alléluia! Amen. C'est souvent triste. C'est des constats faits. Alléluia! Il faut le voir, c'est des chrétiens qui sont prêts à tomber sur la nourriture. D'autres, vraiment, voient que son fils devant lui va faire tout le pour traverser, venir se placer devant. Tout ça là. Alléluia! Et le Saint-Esprit sonde le cœur de chacun. Amen. Regardez, nous disons qu'on va bagarrer pour certaines choses. Ce qui est encore terrible, c'est que même certains hommes de Dieu se retrouvent dans ce genre de choses. J'ai entendu les histoires des hommes de Dieu qui ont bagarré pour la nourriture. Alléluia. C'est ça. Mais cette chose ne doit plus se retrouver dans la scène de doctrine. Amen. Amen. Je vous assure, c'est des choses de la honte. Amen. Comme on dit souvent, alléluia, des choses de la honte. C'est comme ça. Un enfant de Dieu, il n'est pas pressé. Alléluia. Quand il y a la table, il n'est pas pressé. Il sait de vous. Que j'ai ou je n'ai pas ou il n'y a pas de souci. Amen. Est-ce que Dieu peut faire ça? Amen. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Qui peut faire ça? Il n'y a pas de souci. Amen. Oui, c'est comme ça. Ça, c'est des choses qui vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La nourriture passera. Amen. Amen. Le lait que tu aimes beaucoup la passera. Amen. Amen. Le poids que tu aimes beaucoup la passera. Amen. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Tu dois t'accrocher sur la parole de Dieu. Alléluia. Oui. Vous savez, tu dois ou pas à notre chair. Donne des ordres à ta chair. Toi qui es déjà habitué à faire ces choses, à chaque fois quand tu vois la nourriture, ton cœur, tu es prêt à bondir, à ne même pas gérer tout ce qui se passe devant toi. Alléluia. Amen. Et quand tu commences à ressentir ça, je vais te donner un secret. Alléluia. Sors-tu toi, ma chair. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Sors-tu toi. Arrière de moi, Satan. Amen. Ta chair là, il n'y a aucun ennemi qui t'assure que ta chair là est dangereuse pour toi. Alléluia. La chair va nous amener à faire des choses que vraiment nous, je vous assure, on va répéter. Gloire à Jésus. Oui. N'écoute pas toujours ta chair. C'est des choses vraies. Quand on voit quelque chose, notre chair a tendance à nous pousser. Donc au point où ça nous rend même aveugle parfois même. Parfois quand tu vois la nourriture, parfois même tu oublies même. Tu deviens comme un bébé. Je vous dis que c'est des choses vraies. Alléluia. Je ne peux pas dire des choses que moi-même j'ai vécues. Moi-même si je n'ai pas vécu ces choses, je ne peux pas les dire. Alléluia. C'est ça. Et vous allez voir si, quand tu ne te maîtrises pas, tu vas te retrouver au pays de la honte. Alléluia. Donc faisons très attention. Pour ne pas nous retrouver au pays de la honte. Bon.
Lisons Luc chapitre 24, verset 49. Luc chapitre 24, verset 49. Nous devons nous comporter dans des cérémonies comme des responsables. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Comme des gens responsables. Des gens qui ont le Saint-Esprit en eux. Amen. Oui. Des gens responsables. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 49. Verset 49, je lis au nom de Jésus. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a pour vous. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Alléluia. Amen. Luc combien? 24. Luc chapitre 24, le verset 49. Oui. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Gloire à Jésus. Amen. Lisons aussi Actes aussi. Actes 1, 4. Actes chapitre 1, verset 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Comme il se trouvait avec eux, oui, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, lui dit-il. Mais d'attendre ce que le Père a promis. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu attends ce que Dieu t'a promis? Qui ici attend ce que Dieu lui a promis? Qui lève sa main? Amen. Alléluia. Attends Jésus. Amen. Il faut attendre sur place. Comme les apôtres ont fait. La Bible dit les apôtres ont attendu, leur dit-il. Les apôtres, oui, leur a promis ce que le Père les a promis. Je vais vous dire quelque chose. Voilà la patience. D'une longue attente. Oui. Si les apôtres n'avaient pas attendu, qu'est-ce qui serait arrivé? Répondez-moi. Voilà la promesse du Saint-Esprit que Dieu a déjà promis. Dieu a donné l'ordre. Attendez. Bon. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'avait pas attendu? Qui va répondre? Si les apôtres s'en foutaient, comme il nous a dit l'État à Albon, tu veux d'abord faire un voyage de Dubaï, bon, je vais revenir. Comme Jésus a demandé d'attendre, je vais d'abord aller faire mon champ. Après, je reviens. Il faut que j'aille d'abord voir ma famille. Je vais revenir après. Bon, qu'est-ce qui serait arrivé si les apôtres n'avaient pas attendu? Je nous parle de la patience. Voici les rêves que beaucoup font. Oui. Qui va répondre? Oui, frère Tite. Si les apôtres n'avaient pas attendu la promesse sur place, est-ce que la volonté de Dieu allait s'accomplir? Parle. Si les apôtres n'avaient pas entendu, il devait avoir du désordre seulement. Alléluia. Acclame Jésus pour sa réponse. Oui, qui d'autre? Oui. Si les apôtres ne tardaient pas, ils ne devaient pas avoir le Saint-Esprit. Ils ne devaient pas avoir le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur Jésus. Ce que le Père leur a promis, dit-il, attendez dans la chambre de vous. Alléluia. Et ils ont obéi. Amen. Oui, mon frère, cultive-toi de l'esprit d'attente. Il faut attendre ce que le Seigneur t'a promis. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui sera arrivé dans 10 ans, dans 5 ans, 50 ans? Ce n'est pas ton problème. Ce que le Seigneur te dit, attends. Amen. Quand je suis en train de parler de ça, je me rappelle. Je me rappelle des messages que le Seigneur a donné à un homme de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Et cela vient encore renforcer cet enseignement. Amen. Amen. Oui, l'homme de Dieu est allé jeûner. Il a fait des jours de jeûne, des longs jours de jeûne. Pour que le Seigneur lui parle. Alléluia. Pour que le Seigneur lui dise quelque chose. Après ce long moment fatigué, attendu, jusqu'à ce que le Seigneur, à la fin, écoutez ce que le Seigneur lui a dit.
Il a seulement entendu un mot. Attends. C'est tout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Attends. Le Seigneur lui a dit, attends, c'est tout. Un point et deux. Vous savez, Dieu n'est pas un barbare. Amen. Alléluia. Beaucoup vont entendre, beaucoup s'attendent souvent à des paroles. Oh Seigneur, mon fils, je t'aime. Voilà ce que j'ai planifié pour toi. Oh, voilà. Tu sais que tu vas voyager. Tu vas aller ceci, non? Alléluia. Le Seigneur n'est pas un bavard. Gloire à Jésus. Quand le Seigneur dit 1, 2, 3, c'est bon, il s'arrête. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, attends. Et ça, c'est un message très, très profond. Et l'homme de Dieu a compris depuis ce jour, sa vie a changé. Alléluia. Il lui parlait de la patience. Je vous assure, l'homme de Dieu n'était pas patient. Il passait son temps à s'impatienter. Le Seigneur lui a demandé d'apprendre la patience. Qu'il apprenne à patienter, à attendre. C'est ça. Et aujourd'hui, beaucoup n'attendent pas. Ça, c'est des choses que vraiment, malheureusement, qui minent l'église de la fin des temps. Et nous devons revenir à Dieu. Lisons. Si les apôtres n'avaient pas attendu, quand le Seigneur te dit attends, tu n'attends pas, tu vas récolter les conséquences. Tu vas écoper les conséquences. Amen. Quand le Seigneur te dit quelque chose, c'est oui et amen, comme le docteur David Hemsman le dit. Alléluia. Amen. C'est oui et amen. Amen. Ne sors pas des raisonnements. Nous sommes trop souvent, beaucoup aiment trop le charnel. Quand le Seigneur parle, eux-mêmes ont commencé à donner leur raisonnement. Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire ceci, non? Vous voyez, quand le Seigneur a dit à quelqu'un, suis-moi, la personne a commencé à raisonner, a dit, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Laisse les bons ensevelir leur mort. Amen. C'est pour dire que quand le Seigneur dit quelque chose, ne cherche pas à justifier, ne cherche pas à donner aussi ta part de raisonnement. Parce que tu ne peux pas raisonner Dieu. Tu ne peux pas. Vous allez voir que si les apôtres n'avaient pas attendu, c'est que ce serait catastrophique. Je vous avais dit qu'il y a des situations où Dieu ne peut pas s'en passer de l'homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Il y a des choses dans cette situation, Dieu ne peut pas s'en passer de l'homme. Dans certaines choses, Dieu peut s'en passer de l'homme également. Alléluia. Mais dans ces cas, il était très important que Dieu utilise les apôtres comme canal. Maintenant, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Lisons Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21, je lis le Jésus. Amen. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Vous devez attendre la patience. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut parler des choses comme ça. Le Seigneur a dit, quand le Seigneur a dit ça, est-ce que c'est arrivé le lendemain? Est-ce que c'est arrivé le même jour? Est-ce que la chose est arrivée le même jour? Le Seigneur a juste dit à quelqu'un que là, il a dit, tu enfanteras. Ça, c'est le futur. Vrai ou faux? Enfantera. Le Seigneur lui a dit, tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà une prophétie libérée, lâchée. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure, Abakou a dit, si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la. Abakou 2, 3 tout à l'heure. Alléluia. Si cette prophétie tarde, attends-la quand elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Mais pourquoi toi? À cause du manque de patience, tu as déjà perdu beaucoup de choses. À cause du manque de patience, où est ta foi?
comme je suis avec Jean depuis deux fois. Pourquoi avez-vous eu peur? Hein? La patience, vous voyez à quel point la patience est très importante. L'ange est venu lui dire, regardez l'histoire de Pierre. Alléluia. Je vous assure, quand Jésus lui a dit viens, alléluia, il a commencé à venir. Gloire à Jésus. Quand Jésus lui a dit viens, il a commencé à venir. Mais maintenant, arrivé à un certain moment, il a commencé à douter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Et c'est la même chose que beaucoup de chrétiens font. Quand le Seigneur va donner le message, ils saisissent, ils reçoivent. Alléluia. Au fil des années, il commence à détruire ce message eux-mêmes. Pas de paroles de plainte. Alléluia. Oh, voici depuis que tu m'as parlé, voici depuis. Jusqu'à toi-même, tu détruis ta propre bénédiction. Dans l'attente, tu dois veiller. En attendant, tu dois veiller de telle sorte que rien ne puisse faire blocage à cette bénédiction. Parce qu'en attendant, tu commences à annuler cela par ton manque de foi. Ça sera terrible. C'est ce que beaucoup font. Le Seigneur t'a déjà dit quelque chose. Tu continues à attendre. Mais pour toi, tu trouves que c'est trop longtemps. Ça a trop mis long. Et tu continues maintenant à te fâcher. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Cela s'est accompli. Mais pour toi, comment tu as peu de foi? Comment tu trouves que des choses ne vont pas s'accomplir dans ta vie? Oui, continuons. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Alléluia. Bon, maintenant, lisons Luc, chapitre 1, verset 13. Luc, chapitre 1, verset 13, je vous le dis. Amen. Mais là, il lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Oh. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ne crains point, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Amen. Ne crains point. Dieu te dit, en cette matinée, ne crains point, car ce que tu as dit dans le secret à Dieu là, cela a été exaucé. Amen. Amen. Combien de personnes ici ont vu des choses se réaliser et ne se sont même plus rappelés les prières qu'ils avaient faites à Dieu? Beaucoup. Amen. Ne crains point car ta prière a été exaucée. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Jean. Amen. C'est très important, mes frères et sœurs bien-aimés. Pendant que nous avançons dans la voie, nous devons faire très attention et nous devons être prudents. Sinon, nous allons tomber dans le filet du diable. Nous allons tomber dans le piège du diable. Nous allons penser que la foi, non. La foi, c'est... Nous allons penser que la foi, c'est vivre le paradis sur terre, sans souffrance, à l'aise. Alléluia. Détrompe-toi. C'est pas ça la foi. Amen. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si quelqu'un te dit que ma soeur, te dit que la foi, il n'y a pas de souffrance. La foi, c'est simple, c'est le paradis. C'est un menteur. Amen. 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 Gloire à Jésus. La Bible a parlé de la croix. Quand on parle que la personne se charge de sa croix et me suive, la croix, c'est quoi? Les persécutions, les souffrances. Alléluia. Les difficultés, alléluia. Les manquements, amen. Parfois tu auras même fait même 3 jours, 4 jours, 5 jours, 3 jours, 5 jours, 6 jours. Tu n'as rien à manger. Tu es là, assoiffé même. Tu te trouves quelque part où tu es coincé, tu ne sais pas quoi faire. Alléluia. Et Dieu permet ces choses pour te rendre fort. Alléluia. Pour
pour que tu sois un homme fort. Alléluia. C'est ça la formation du Saint-Esprit. Tout disciple doit être fort. Alléluia. Oui, tu dois devoir nous laisser former dans le discipulat. Ça, c'est la formation du disciple. Tout disciple doit être formé par le Saint-Esprit. Un disciple qui n'est pas formé par le Saint-Esprit ne peut pas aller loin. C'est un disciple charnel. Alléluia. Oui, tout disciple doit être formé par le Saint-Esprit. Formé dans la souffrance. Comme le Saint-Esprit a formé les apôtres dans la souffrance. Il les a très bien formés. Je vous le dis. Entre dans l'école du disciple. Alléluia. Et tu vas rencontrer des choses là-bas. Et ces choses, c'est pour ton bien. Pour la croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Oui. Ce sera pour ton bien. La Bible dit, tout ce qui est fatigué et chargé, venez à moi. Vous. Tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du. Car mon joug est léger. Mon joug est comment? Pas léger. Mon joug est tout. Et mon fardeau léger. Alléluia. Amen. Le joug du Seigneur est doux. Je vous le dis. Et son fardeau est léger. C'est ça. Nous souffrons, mais c'est doux, c'est léger. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur a dit. Oui. Ne fuis pas. La Bible dit qu'elle n'est pas qu'elle supporte les souffrances. Alléluia. Amen. Oui. Donc, tu sais, quand un soldat part quelque part, quand un soldat part en guerre, psychologiquement, il est déjà préparé. Il sait que c'est la souffrance. C'est pas ça? Oui. Quand on envoie un soldat, on dit va combattre Boko Haram, va combattre les Amazoniens. Il sait que c'est la souffrance. Mais il part. Alléluia. C'est comme ça. Il est déjà préparé psychologiquement. Maintenant, il sait comment il doit maintenant se comporter. Les techniques de guerre. Alléluia. C'est comme ça. Mais si tu n'es pas séparé, ces choses, vous devez les connaître pour être éveillé. Alléluia. Pour que demain, quand quelqu'un commence à souffrir, il se rappelle que, mais la foi n'est pas toujours le bon. La foi, ce n'est pas toujours le paradis. Non. La foi, ça fait partie de la foi. Oui. La souffrance que je vis actuellement, ça fait partie de la foi. Tu commences à louer le Seigneur. Seigneur, merci, je te bénis. Désolé pour cela. Alléluia. Oui. Et vous allez voir que des choses, même des malheurs, même deviennent pour vous comme des choses, comme des bénédictions. Alléluia. Parce que vous êtes déjà vraiment moulé par le Saint-Esprit. C'est parce que vous avez été formé totalement et assez par le Saint-Esprit. Maintenant, quand quelque chose de compliqué arrive tout à l'heure, parce que quand tu échoues à quelqu'un, tu es chrétien, quand tu échoues à un examen, ou alors tu échoues à un concours, tu es chrétien, tu fais deux jours, tu ne manges pas. Non, 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 je vous assure, ça, c'est pas un chrétien. Ça, c'est pas le comportement des chrétiens. Amen. Des chrétiens que quand ils sont dans des malheurs, oh, la foi s'arrête. C'est très dangereux. Ça, ce n'est pas être chrétien, ça. Je vous le dis. C'est des choses que vous avez cultivées dans votre esprit. Alléluia. On se réduit dans la souffrance et dans le bonheur, dans le malheur et dans l'abondance. Et ainsi de suite. Alléluia. Oui. Voilà l'exemple par rapport à l'apôtre Paul. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Lisons comme dernier verset dans le livre de Nombre chapitre 21, verset 4 à 6. Nombre chapitre 21, verset 4 à 6. Amen. Je lis au nom de Jésus. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. Alléluia. Pour contourner le pays d'Edom. Le peuple s'entra en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter Hor d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain. Il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent
Le peuple est nourri beaucoup de gens en Israël. Alléluia. Le peuple vient à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Puis l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ce serpent, Moïse prie pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Amen. Moïse dit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regarda le serpent de rein, conservait la vie. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alléluia. Il partit de la montagne Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le peuple de l'homme. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Alléluia. Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pourquoi nous avez-vous. Nous avons. Bon. Pourquoi. Nous, vous. Pourquoi nous avez-vous. Alléluia. Fait monter hors d'Égypte. Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée. Cette misérable nourriture. Alléluia. Voilà le manque de patience. Alléluia. Voilà le manque de patience. Parce que tu manges la même chose chaque jour. Tu deviens rebelle. Tu deviens rebelle. Ils ont, c'est son pain. Voilà les plaintes. Je vous ai dit que les plaintes sont trop dangereuses. Quand quelqu'un commence déjà à se plaindre là, c'est que la personne va s'égarer facilement. Les plaintes, pourquoi les mêmes choses chaque jour? Pourquoi les mêmes nourritures? Pourquoi? Pourquoi? Alors la colère de Dieu est descendue sur eux. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants et mordit le peuple et il mourut beaucoup déjà en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie afin qu'il éloigne de nous ces serpents. L'impatience. Vous savez que le peuple israélien, les Israélites étaient vraiment des peuples qui manquaient de patience. Ils n'étaient pas patients. C'était un peuple impatient. Donc pour eux, c'est qu'ils aimaient la facilité. Quand ils souffrent un peu comme ça, c'est fini. Ils commencent à se plaindre. Et c'est la même chose qu'on voit aujourd'hui à l'église. Quand quelqu'un commence à souffrir un peu comme ça, oh, c'est fini. La foi s'arrête. Non! Qui vous a dit? C'est pas ça. Pourtant, le peuple d'Israël était en formation, ce qu'il ne savait pas. Le Seigneur était en train de les former, mais beaucoup ont échoué à cette formation. Alléluia! Gloire à Jésus. Amen. Voilà que tu es en formation. Est-ce que tu échouerais également à cette formation? Combien se sont en sortis? Combien sont sortis vainqueurs face à cette formation du désert? Alléluia. Formation du disciple. Beaucoup ont échoué, je vous assure, au désert. C'était une formation. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup de chrétiens se comportent comme le peuple d'Israël le faisait dans le désert. C'est une formation. Alléluia. Va-t-il supporter la formation? Qui est prêt à supporter la formation? Amen. Alléluia. Oui, ma soeur. Il faut qu'on se dise les vérités. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois traverser les souffrances. Alléluia. Amen. Oui. Si tu trouves un prédicateur qui dit que non, quand tu viens à Dieu, tout est le paradis, non, tu ne souffres pas, tu es bien. Amen. L'évangile de la prospérité, du luxe. L'évangile de. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Amen. La souffrance. Si ce n'était pas le cas, il n'allait pas dire que chacun porte sa croix. Chaque jour. Et me suivre. Alléluia. Cela veut dire que tu serais dans l'abondance, tu serais dans le manquement. Tu serais dans la souffrance, les difficultés, ainsi de suite. Alléluia. Donc nous devons être préparés à ces choses. Nous devons être préparés à ces choses afin que nous ne soyons pas surpris. Comme si c'était
cela, j'ai quand quelque chose de mauvais nous arrive. Enfant, quel enfant de Dieu? Comment je suis enfant de Dieu? Telle chose m'arrive. Alléluia. Mais tu ne dois plus être surpris, mon frère, ma soeur. C'est écrit. Cultivez la patience. Vous qui attendez le mariage. Alléluia. Soyez patient. Vous qui attendez le travail. Alléluia. Soyez patient. Toi qui attends un enfant, sois patient. Alléluia. Oui, sois patient en toutes choses. Et aie la foi. Beaucoup manquent de foi. Tout dépend de ce que toi tu penses. Oui. Si toi tu passes ton temps à penser sur le mal de Dieu, toujours côté négatif, 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 négatif. Mais quel est Dieu qui sert finalement? Nous devons bannir la négation de notre vie. Oui. Sois patient, mon frère. Dis à ton frère, sois patient. Dis à ta soeur, sois patient. Car ta bénédiction arrive. Car ta bénédiction arrive. Dis Seigneur, je suis béni. Seigneur, je suis béni. Si tu sais que tu es béni, attends le Seigneur Jésus. Attends le Seigneur Jésus. Et toi, à ce que tu peux le dire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse adorablement. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Très, 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 très fort. Je vais laisser la place. Est-ce que je peux avoir acclamé le Seigneur Jésus? Waouh! La bonne nourriture. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Soyez fortifiés, peuple de Dieu. Comme on vient d'ailleurs de la femme.